Bonjour tout le monde, c'est Thierry. Aujourd'hui, on se retrouve, oui, pour une nouvelle actu Planet Zoo, le DLC Zookeeper's Animal Pack Anniversary arrive. Et on va regarder le trailer ensemble. Pour l'instant, je vais vous être honnête avec vous, ça me saoule. Je suis pas hype, je vais vous expliquer pourquoi. Sortie de Planet Zoo, pack animaux propriétaires de zoo le 15 octobre. Salut les propriétaires de zoo, alors que 5e anniversaire de Planet Zoo approche, préparez-vous à revisiter vos zoos avec le pack animaux propriétaires de zoo. Alors je comprends pas, ça veut dire quoi, pack animaux propriétaires de zoo? Disponible sur le PC le 15 octobre, en plus d'une mise à jour gratuite, ce pack contient 7 nouveaux animaux, plus de 95 éléments d'environnement et un scénario très spécial. J'ai très hâte de voir ça. Vous pourrez accueillir 7 animaux très demandés par les joueurs. C'est là que ça commence à faire... Tac, tac, tac. Non, je suis pas content. Le très discret chat pelage au pelage fourni. Palace au pelage fourni. Ok, ça va. Le babouin Amadria à l'aspect étonnant et à la structure sociale marquée. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui demande un babouin. J'ai pas vu de babouin demander. Enfin, pas autant que certains autres animaux. Là, voilà. Le robuste marcor aux cornes en spirale impressionnante. Ok, vas-y. Un autre ongulé. Ok, vas-y, un de plus. Et là, l'ours à lunettes avec ses marques faciales uniques. L'ours à lunettes. On a 40 ours déjà. J'ai vu des trucs sur Planet Zoo disant qu'on en avait marre des ours, qu'on en avait marre des ours et des singes, je crois même, je sais plus. Et encore un ours, mais d'où un ours? La grande tortue Silonée. Alors là, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais ça me va. Si c'est une tortue qu'on peut mettre en enclos, ok. Le délicat Dig Dig de Kirk et le saisissant Propitec de Coquerel. Alors, le Dig Dig, je vois c'est quoi. Ok, vas-y. Et le Propitec de Coquerel, je vois pas trop ce que c'est. Faites en sorte d'offrir à vos visiteurs une expérience inoubliable et de faire de votre zoo un lieu encore plus unique grâce aux caractéristiques et au comportement de vos nouveaux protégés. Donc là, nous avons le chat de Palace. Ok. Mignon, ça va, ok. Moi, je l'avais prédit, enfin, j'avais dit dans un pack spécial. Moi, ça me va, c'est un des animaux que je souhaitais. En plus de ces ajouts fantastiques, donc 7 animaux, le pack animaux propriétaires de zoo comprend plus de 95 éléments d'environnement magnifiques pour que vos éteurs célèbrent le 5e anniversaire de Planet Zoo dans un cadre élégant, notamment de superbes chapiteaux, là, hein, ainsi qu'une sélection de lanternes, ok, des tables de pique-nique, ok, tandis que des sièges supplémentaires leur donneront l'occasion, ok. Donc tout ce que je retiens, c'est chapiteaux, lanterne, table, pique-nique. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a plus de végétation? Moi, je veux de la végétation. Je ne vois pas. Préparez-vous pour la fête. Le pack animaux propriétaires de zoo comprend également un scénario de campagne inédit dans lequel vous rejoindrez l'équipe à l'occasion des 5 ans de Planet Zoo au sein du célèbre zoo de frontières. En tant que membre indispensable du comité des fêtes, vous collaborez avec un personnage apprécié des joueurs, Emma Goodwin, afin de préparer et d'organiser une fête parfaite aux zoos de frontières pour tous les visiteurs des animaux. À vous d'organiser une fête qui restera dans les annales de Planet Zoo. Ok. Avec ce pack, nous publierons la mise à jour 1.18 qui comprendra le léopard d'Afrique. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est encore un truc qui a été demandé ou pas? Mais ça me fait ni chaud ni froid. Mais bon, ça on le sait depuis longtemps. J'ai pas voulu en faire une vidéo parce que je me suis dit, un léopard, sérieusement?
La jaguar, on a le léopard de l'amour, on a tout ça, tout ça. Bah, je sais pas, en Afrique, il y a des tonnes et des tonnes d'animaux. Je sais pas, je serais même plus en. Enfin, je serais même mieux. Enfin, j'aurais préféré, moi, par exemple, une autre. À la rigueur, si vous voulez pas recréer tout le squelette d'un animal, je me. Une autre girafe. Il y a plusieurs types de girafes avec un pelage différent. Donc, j'aurais apprécié ça. Mais apparemment, non. Mais bon. Donc, gratuitement, une sélection de chapeaux sera proposée. Donc, ça, c'est comme à chaque fois. Un gâteau en gelée, un événement d'une durée limitée aura également lieu dans le jeu. Un défi de communauté qui se déroulera du 15 au 21 octobre lors de cet événement pour 5 animaux relâchés dans la nature. Vous obtiendrez un animal de qualité supérieure avec moins de 80% dans n'importe quel gène et une chance sur 50 d'avoir une variante pie ou albinos. De plus, tous les 20 animaux relâchés dans la nature, vous obtiendrez une tenue d'avatar afin de fêter Palaiseau en élégance. Donc là, vous voyez, on a une petite photo et on peut voir donc des petites nouveautés. Par exemple, ça là, les petits fanions. Est-ce que je peux agrandir sans faire n'importe quoi? Voilà. Donc, on a les petits fanions qui peuvent être sympas, mais c'est sujet de fête. Est-ce que c'est la fête dans les eaux tout le temps? Je ne pense pas. Ah, excusez-moi, mais je ne pense pas. Donc, je suis très très mitigé. C'est le premier, non, c'est la seconde fois avec le pack Halloween. Ah bah en plus on est dans la même période que je suis assez mitigé. Là par exemple, hop, en zoomant bien, je cherche de la nouvelle végétation. À la place, je vois ces sortes de boucles. Je sais pas trop ce que c'est, qui sont là. Je vois bah, les chapiteaux, je vois des trucs hyper colorés, je vois des sortes de. Ça, je sais même pas si ça n'était pas avant. Il y a un pont, ok, à la rigueur, ça peut être sympa. Et là, il y a un bâtiment, je sais pas c'est quoi. Mais sinon, je suis désolé, mais il fait pas rêver. Il fait pas rêver. Le chat, là, ok. Le babouin, j'en veux pas. L'onculé, vas-y, hein, encore un. Hein. L'ours, vous connaissez mon amour pour les ours, hein. Ça me sort par tous les trous, quoi. J'en ai marre. La tortue, ok, si celle-là est dans un enclos. Le Dick de Kirk et le Propitèque, que je sais absolument pas ce que c'est, ça par contre. Bah voilà, quoi. Il n'y a pas une recherche Wikipédia là, comme ça? Ouais, non. On va éviter. Ok. Donc, pour le coup, je suis mi figue, mi raisin, mi Konos. Si c'est ça le propi-cake ou je sais pas quoi, ou Dick, je me souviens plus quoi il ressemble. Mais pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Regardez, les lampions, super. On va avoir des lampions. Pour la zone Asie, super. Des chapiteaux, ok. Mais est-ce qu'on a de la végétation? Est-ce qu'on a des nouveaux trucs pour les animaux? Non. Enfin, voilà. Ah, je suis mitigé là pour. Je vais le prendre, bien sûr. Hein, je vais le faire, hein, comme à chaque fois, parce que je suis un pigeon. Je vais sûrement le recevoir pas plein des eaux. Mais là, j'ai peur de voir les éléments qu'on va avoir. Je pense qu'on va avoir que des trucs festifs. Moi, j'en veux pas. Et les animaux, à part le chat et la tortue. Ouais. Je sais pas, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes hype ou pas par l'arrivée de ce DLC. Dans mon cas, c'est pas trop ça. C'est. Ouais, c'est. Et pas d'oiseau. Attends, ah, peut-être que c'est un oiseau le Protect, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je vais regarder, hein, de toute façon, ce que c'est le truc à côté là. Pour savoir. Parce qu'il y a Coq dedans, mais. Je sais pas. Bref, on verra. Il sort le 15 août, le 15 octobre, pardon. Et je serai bien sûr dessus pour vous le présenter dès la sortie. Comme ça, vous pourrez voir s'il vous tente ou pas. Bref, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.